Qu'est-ce que c'est que ça? Des œufs mimosa, monsieur Septime. Vous appelez ça des œufs mimosa, vous? Oui, monsieur Septime. J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon. Une... Hey, oh, allez, pardon. Qui c'est qui a fait les œufs mimosa? C'est lui, monsieur Mimosa. C'est lui, là? Oui, oui. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors. Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi, je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, on a des broutilles. C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Ben, c'est ce que je lui disais. Oh non, 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 il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul? Ah, c'est le petit filleul, ça? Tu es Louise? Ah, oh, un petit peu la même tête. Ça va, Louise? Très bien. Et vous, ça va, petit Marcel? Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas? Ah oui. Il faut que j'aille là-bas. Mmh. Je me fous des complexes, je laisse le seul. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prenons ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux?